Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler de couture. Donc ça va être un bilan 2018, premier trimestre 2019. Donc en 2018, j'ai pas fait grand chose. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait. Je vous montre ce que j'ai fait en 2019, vu que mon objectif c'est de coudre tous mes vêtements. Et ce que j'ai prévu pour le second trimestre 2019. Donc, on est parti. Donc, en 2018, clairement, j'ai cousu, j'ai pas beaucoup cousu du tout. J'ai cousu à partir du mois de, je crois, septembre ou octobre. Des choses que j'avais besoin pour Ethan. Donc, je vais vous montrer, il n'y a pas grand-chose. Donc dans un premier temps, j'ai fait ceci. Donc c'est une double gaze bleu ciel. C'est en fait le matelas de sa nacelle. Donc au lieu d'acheter un matelas, enfin une housse de matelas, ben, je l'ai faite avec des pressions cam en fait, que j'ai posées avec la pince Prime Love. Donc voilà, allemand. Mais sinon, très très bien. Donc du coup, je le passe à la machine à 30 degrés et ça bouge pas du tout. Donc tout ce que je fais avant, tous les tissus, je les lave, hein, bien entendu. Ensuite, ce que j'ai fait, du coup, j'ai fait des petites lingettes comme ça. Alors là, on est sur du 8 par 8, puisque j'ai fait des 8 ou 9, je sais plus trop. Je crois que c'est du... J'ai fait du 10, mais avec en mettant 1 cm de couture autour. Donc du coup, ça revient à 9. Donc voilà, j'ai fait ce genre de truc. Alors, mon tissu, c'est dommage parce que les motifs sont plus gros. Donc là, par exemple, sur celle-là, on voit pas. Mais en fait, c'est le début d'une baleine, en fait. Mais le tissu est super sympa. Ça aussi, je les lave à 30 degrés. Et ça bouge pas, c'est hyper doux, je m'en sers tout le temps, soit pour ses fesses, soit pour nettoyer son visage. Donc voilà, là je dois m'en faire pour moi, pour me démaquiller. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour aller avec les petites lingettes, je me suis fait un petit panier. Donc voilà, voilà la fameuse baleine dont je vous parlais. Donc en fait je me suis fait un petit panier donc 10 par 10 pour ranger du coup tous ces petits ustensiles là comme les thermomètres pour les avoir sous la main, une lime, un peigne et un ciseau. Et ensuite j'ai mis toutes ces petites lingettes là. Bon là elles sont à laver mais voilà ce que je mets à l'intérieur. Et là vous en avez une vingtaine qui rentre à l'intérieur du petit panier comme ceci. L'intérieur, je l'ai doublé en Minky. Et voilà. Donc voilà ce petit tissu qui est hyper sympa. Ensuite, j'ai fait... Donc c'est de l'éponge, tout simple. De l'éponge bleue. Avec toujours des pressions cam. Du coup j'ai fait des housses, alors c'est des housses pour matelas allongés. Je les ai fait en éponge parce que je trouve ça très pratique. Si bébé régurgite ou qui fait pipi ou quoi que ce soit, c'est hyper absorbant. Alors qu'un tissu normal, il le sera beaucoup moins. Alors c'est très joli, hein, mais il le sera beaucoup moins. Donc je trouve ça très... Enfin, plus pratique que esthétique. Mais elles sont vraiment top. Je suis très très contente d'avoir fait ça. Je dois en refaire d'autres. Donc voilà. Mais franchement, ça n'est rien à faire. Et c'est vraiment très 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 utile en fait. Donc j'en ai fait deux comme ça. Et j'en ferai peut-être deux de plus. Parce que franchement, c'est vraiment sympa. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Le dessus, on peut le faire en... Du coup, au niveau de la tête, on peut le faire en tissu. Et après, le reste en éponge ou le contraire. Enfin, on peut marier, en fait, les choses. Ou le faire qu'en tissu.
et mettre juste des scratchs pour mettre un tapis en molleton comme ça. Mais le tapis en molleton, clairement, quand il fait pipi ou quoi que ce soit, ça suffit pas. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je les ai fait en éponge. Ensuite, j'ai fait. Alors, quand j'ai fait ça, je me suis pas rendu compte, j'ai fait un panier 30 par 30. Et j'avais pas pensé que mon panier 30 par 30 serait énorme en fait. Je l'ai doublé en Minky. Et j'ai mis une. Comment on appelle ça? Je l'ai doublé aussi avec un. Oh là là, un thermocollant hyper rigide. Sauf que il est tellement grand le panier que même avec ça, ben c'est pas. Ça tombe en fait si je mets rien dedans. Donc moi je mets mon stock de couches à l'intérieur et je le mets sous la table allongée. J'ai une espèce de case et je le mets dedans. Donc voilà. Et donc c'est le même tissu en fait. C'est le même tissu avec les baleines, les phares et tout ça. Donc on a joué sur ces tissus, on a joué sur ce tissu-là. Et du coup, donc voilà, pour le moment, j'ai pas acheté plus d'autres tissus pour Ethan que celui-là. Ensuite, j'ai fait des langes. Je ne les ai pas là. J'ai fait des langes comment ça s'appelle? En double gaz comme ça, mais moutarde. Donc j'ai fait des langes de 60 par 60, il me semble, ou 70 par 70, hein, je ne sais plus trop la taille. Mais c'est tout simple. J'ai coupé, j'ai fait un ourlet sur tous les angles. Et voilà, et ça fait un lange et c'est génial parce que on s'en sert pour la voiture, on s'en sert quand il régurgite, on s'en sert pour le changer, on s'en sert. Je m'en sers aussi quand je lui fais des massages et que je dois l'envelopper. Enfin, c'est vraiment les langes, de toute façon, on s'en sert tout le temps. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour 2018. Donc clairement, j'ai pas fait grand-chose. Si j'avais commencé son Sarwell, que je n'ai pas terminé puisque j'ai accouché avant. Donc voilà. Donc en 2019 maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fini son sarouel. Donc, un sarouel qui fait de 1 mois à 6 mois, si je ne me trompe pas. Donc, il a une grande ceinture comme ça que vous pouvez retourner pour que ça soit plus petit. Tout dépend de la grandeur puisque c'est du 0,6 mois. Donc, voilà. Et pareil pour le bas. Le bas, vous pouvez le retourner selon la taille de votre bébé. Donc voilà. Donc le tissu c'est du jersey uni, donc un marron en haut. Et pour le corps en fait, on dirait l'âge de glace. Du coup c'est des mammouths en fait, enfin la période glaciaire en fait, je dirais. Donc voilà comment il est. Je risque de lui en faire d'autres pour ben, là pour bientôt. Donc je vais lui en faire un autre certainement comme ça ou l'inverse aussi je pourrais faire. Donc je ne sais pas trop pour le moment. Donc voilà ce que j'ai fait. Ensuite, je lui ai fait du coup, j'ai fait des petits hochets comme ceci en oreille de lapin. Alors ça c'est très très bien pour ben, juste pour qu'il le touche puisque c'est en bimatière. Donc c'est très très bien. C'est pour. Pour le sensoriel, c'est vraiment très bien. Vous pouvez l'enlever comme ceci, donc c'est génial. Vous le mettez à la machine et puis voilà, vous le remettez. Et du coup, les anneaux que j'achète sont non traités et sont spécifiquement faits pour les bébés. Donc voilà. Donc les prochains que je ferai, je mettrai du papier bruissant à l'intérieur. Je voulais essayer de mettre un gros lot, mais comme ils les mettent à la bouche, je pense que c'est pas forcément. C'est peut-être un peu dangereux de mettre un gros lot sur les oreilles de lapin. Donc je ne le ferai pas. Je mettrai que du papier bruissant à l'intérieur. Je le ferai en bimatière également avec ce tissu-là et d'autres tissus que j'ai en stock dans mes panières de tissus.
Donc voilà pour ça, j'en ai fait deux comme ceci. Ensuite, j'ai fait un cube d'éveil. Donc ça, c'est génial. Donc là, c'est un peu un test. Alors, Ethan, il adore, il aime bien le prendre. En plus, il est en plusieurs aussi matières. Donc voilà. Donc je vous montre, j'ai mis juste une petite étiquette, mais les prochains, ils en auront plusieurs et à plusieurs endroits différents. Donc là, c'est un ruban en fait à carreaux que j'ai inséré dedans. Du coup, j'ai mis du coup le fameux tissu qu'on a acheté pour Ethan, voilà, pour sa naissance. J'ai mis le Minky assorti et j'ai mis un tissu nid d'abeille en fait blanc tout simple. Donc voilà. Du coup, ça, pareil, je referai. Donc là, du coup, j'ai mis un gros lot à l'intérieur. Je referai ça en mettant peut-être du bruissant et en changeant bien entendu les couleurs et en changeant la disposition, le ruban. Je vais en mettre un peu partout et plusieurs. Donc voilà pour ça. Ensuite, moi j'avais plein de projets, je vous avais dit, du coup dans le haul couture que j'ai fait juste avant, je vous avais montré les projets que j'avais, tout ça. Et j'ai pas tout fait. J'ai pas tout fait, tout fait. J'ai fait aussi un bavoir que je peux pas vous montrer parce qu'il est au sale. Donc, je passe du coq à l'âne, excusez-moi. Donc du coup, le dessus, il est de cette matière-là. Et donc le recto, il est de ce tissu-là. Et le verso, il est dans une éponge comme ça, avec une pression canne. Voilà, donc là, je dois en faire plein d'autres, de différents tissus, et donc pour Ethan et pour d'autres. Donc voilà. Ensuite, donc du coup, on revient à moi. Du coup, j'avais prévu de faire ce modèle-là. Alors, je vous montre comme ça, au moins vous voyez le modèle. Alors, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, portée, là, je vais vous le montrer comme ça. Donc j'avais pour objectif de faire ce modèle-là sans les fronces. Sur les manches, là, vous avez des fronces, enfin, des espèces de volants plutôt, sans les volants et dans un tissu bien plus fluide que ça. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Alors je vous l'ai mis sur Instagram, bien entendu, pour celles qui me suivent sur Instagram. Donc je l'ai fait en taille 48 puisque c'est ma taille. Du coup, j'ai fait les manches comme ceci. Donc les manches, elles sont juste normales. Du coup, il n'y a pas ce volant là sur les manches. C'est très classique. Très simple à faire aussi. Donc voilà le haut. Et du coup j'ai fait une encolure classique. Donc je me suis pas mal débrouillée sur l'encolure. Donc je suis contente. Du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Du coup, je mets ça parce qu'il est quand même assez large. Du coup, je le mets avec un leggings ou je mets dans un pantalon en fait, comme ça en fait. Ça fait un peu bouffant et il est très fluide, donc c'est assez sympa. Et la matière est super sympa. Le seul hic, c'est qu'on transpire beaucoup à l'intérieur. Voilà, enfin, je trouve que la transpiration se fait plus que si c'était du coton ou un jersey, voilà, un jersey de coton ou un jersey de viscose. C'est un peu là, c'est un polyester, donc du coup c'est vrai que je transpire un peu plus que sur un tissu normal. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vous avais dit que je voulais faire celui-là, bleu bleu bleu. J'avais dit que je voulais faire celui-là, donc ce haut-là. Donc je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Vous l'avez sur mon Instagram aussi. Il me manque juste à surjeter, enfin à surfiler
l'encolure en fait. Tout simplement, après le reste, il est tout fini. Donc, il est comme ça, il a des manches en ganse. Je ne savais pas ce que c'était, des manches gansées, je ne sais pas si ça se dit comme ça. En fait, les manches gansées, c'est... Alors, en plus, je ne le tiens pas droit du tout. Donc, voilà l'endroit. Donc, les manches gansées, c'est... Mais en fait, c'est ça, parce qu'en fait, vous pouvez faire les manches d'une couleur différente ou faire, du coup... le devant dans une matière différente du reste du sweat, ça qui est vraiment sympa. Donc moi je l'ai fait tout en tissu de sweat en fait, voilà comme ceci. Alors il est hyper chaud, j'adore, je kiffe. Je le mets aussi avec des leggings et je vais voir pour le mettre avec un jean ou quoi. Je vais voir parce qu'il est du coup j'ai fait une taille 50 parce qu'en fait je suis par rapport à mes mensurations, je suis entre le 48 et le 52 par rapport à mes hanches, par rapport à ma poitrine et par rapport à ma taille. Donc j'ai décidé de faire un 50. Je pense en faire un autre, mais je le ferai en 48. Il sera au niveau du corps, il sera plus serré. Après, le reste me va très bien en 50. Alors c'est un peu particulier, je sais pas trop comment en faire pour le moment. Tout ce qui est bord-côte, je n'ai pas acheté de bord-côte, j'ai fait exactement avec le même tissu, donc voilà, je le trouve pas mal, j'ai bien réussi mon coup, je suis fière de moi, c'est mon premier sweat, donc voilà pour celui-là, et je l'adore, franchement il est trop bien, voilà, donc j'ai fini par ça, il n'y a pas très longtemps, voilà, et j'ai pas fait d'autres choses, alors que je devais faire plein d'autres choses. La chose que je devais faire, donc, du coup, c'était ces pantalons de pyjama là. Donc, en fait, je vais les faire là, au mois d'avril. Donc, pour moi, je vais me faire un pantalon, parce que j'en ai plein des pantalons de pyjama, mais ils ont des trous partout, donc j'aimerais bien les jeter. Et du coup, les remplacer par ce que je fais moi. Et pour mon épousaille, je vais lui faire le même en fait, sauf que je vais le raccourcir, lui veut un short. Donc je me suis dit, tu coupes au niveau du short et puis voilà. Par contre, vu qu'il n'a pas du tout confiance, il m'a dit, je veux voir d'abord sur toi ce que ça fait et après, tu feras pour moi. Mais si c'est pas bon, je n'en veux pas. Donc, super la confiance, génial, j'adore. Donc, je dois en faire normalement deux. Donc, un pour moi et un pour lui. Donc, moi, j'ai pris un jersey polyester, je crois, noir. Je vous l'avais montré dans le haul couture. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, je compte me faire le haut de la dame, là. Donc, en fait, dans le... Parce que là, je ne l'ai pas, bien entendu, je ne l'ai pas. Je crois pas, non, voilà. Dans le alors, ça c'est celui de janvier-février, donc février-mars. Donc, dans le Maison Victor de février-mars, vous avez un peu le même que ça avec un short. Donc, je dois faire l'ensemble. Donc, j'ai prévu ça sur le trimestre prochain. Ensuite, j'ai prévu pour Ethan. Alors j'ai prévu pas mal de petits trucs. Donc j'ai prévu. Il est où? Donc j'ai prévu ça. Donc ce petit haut là. J'ai prévu deux petits leggings comme ça. Ensuite, pour moi, j'ai prévu. Alors, je crois que c'est la page 41. Voilà. Donc, j'ai prévu ce haut-là. Alors, ce top-là, pas en dentelle. Je vais le faire juste en jersey de viscose, en fait. Donc, voilà. Donc, je vous montre
Les tissus que j'ai achetés, il y a très peu de temps. Donc, j'ai acheté un jersey pour Ethan avec des espèces de ratons laveurs. Donc, il est trop mignon. Donc, ça, je pense que je vais faire, comme je vous ai dit, le haut. Et s'il m'en reste un peu, je ferai peut-être un bas de la même sorte. Je pense que je vais refaire des sarouels, comme je vous l'ai dit. Donc, il y a ça, j'ai ça comme jersey et j'ai le mammouth et un uni marron. Donc, je vais mixer un peu tout ça et ça sera nickel. Ensuite, pour faire le top que je vous ai montré, du coup, je me suis acheté du jersey de viscose à Mondial Tissu. Donc, ça, c'est Toto. Je ne l'ai pas eu cher, je crois que je l'ai eu à 8,99 le mètre. Et du coup, je me suis acheté, voilà, celui-là. Donc, j'ai pris 80 cm puisque je vais faire du XXL. Normalement, par rapport aux dimensions de fait maison comme ça là, je crois que c'est ça, fait main je crois, c'est une collègue qui me l'avait donné ce livre, ouais c'est fait main, donc par rapport à leur dimension je dois faire du XXL, donc du coup j'ai pris ce jersey de viscose, donc voilà, donc il est pas, il est transparent mais pas trop transparent parce que quand vous mettez sur vous, vous voyez que c'est pas forcément transparent, donc j'ai pris le, j'en ai pris en bleu, donc celui-là il fait 6,99 si je ne me trompe pas le mètre, donc pas cher du tout. Donc du coup j'ai pris 80 cm puisque c'est du 80 cm. J'ai pris le fil qui est assorti. Et du coup, un peu plus sobre, j'ai pris un bleu marine. J'ai pris 80 cm aussi. Donc c'est pas noir, hein, c'est bleu marine. Et c'est exactement le même. C'est un jersey de viscose aussi. Par contre, celui-là était à 9. 90, je crois. Ouais, 9,90 le mètre et j'ai pris 80 cm. Donc je vais en faire deux. Je vais voir si ça me convient. Je ferai des modifications sur celui-là. Je rajouterai la poche parce que là, je ne vais pas faire les poches. Je ferai peut-être une emmanchure un peu comme ça, là, vous savez, avec un petit bouton ou un peu avec un élastique pour faire une espèce de fronce sur l'épaule. Je vais voir, je vais voir. Mais du coup, j'ai trouvé d'autres tissus comme ça. Un moutarde et un rouille. Donc, je pense que je les prendrai soit pour ça, soit pour un d'autres modèles. Je vais vous montrer. J'ai acheté un livre. Il est trop bien. Donc, le livre que j'ai acheté, c'est le Burda Style Plus. En fait, c'est le Burda pour les grandes tailles. Je suis trop contente. Donc en fait, il est top, il est vraiment top. Il y a 37 patrons de taille 44 à 54. Donc vraiment trop bien. Et je vous montre les modèles parce qu'ils sont vraiment super beaux. Donc cette petite robe, toute sympa, toute mignonnette, le tissu est superbe. Il est vraiment super sympa et c'est super simple à faire. Vous avez le top basque. Alors ça, j'aimerais le faire peut-être dans ce tissu-là. Ça peut être sympa. Voilà. Après, vous avez celui-là. Il est trop beau. Donc, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Donc, ça, c'est moins mon style. Donc, je pense pas que je la ferai, clairement. L'autre, pour le moment, non, ça me dit rien. J'ai pas forcément envie. Une combinaison. Alors ça non plus, ça me dit rien du tout, donc je ne la ferai pas. Par contre, le haut d'à côté, il est top. C'est tout ce que j'aime, donc je le ferai clairement quand je trouverai un tissu pour aller avec. Ensuite, vous avez un caftan. Alors ça peut être sympa, mais là, comme ça, je vois pas trop, donc du coup, je le ferai pas pour le moment. Après, vous avez une robe de soirée, on va dire. Hyper classe pour sortir. Ça non plus, je le ferai pas pour le moment parce que j'en ai pas l'utilité. Ensuite, vous avez un peu le même style mais en léopard. Non, j'aime. Enfin, la coupe, je la trouve trop classique en fait. Donc, c'est pas mon style du tout. Ensuite, vous avez celle-là qui est super sympa. Mais je sais pas, j'hésite à la faire ou pas, je sais pas encore. Celui-là que je ferai
Ça, c'est sûr et certain. Il est trop beau, ce haut. Ensuite, vous avez le haut et le pantalon. Alors, le haut, je le ferai certainement. Le pantalon, j'ai un peu du mal parce qu'il y a des pinces sur le dessus, sur le devant et j'aime pas ça, moi. Donc, je sais pas. Ce pantalon, peut-être pas. Ensuite, sur le côté, vous avez ceci en dentelle. C'est joli, mais c'est pas pour moi. Donc, je le ferai certainement pas. Ensuite, vous avez cette magnifique robe que je ferai sans hésiter. Je pense que ce sera une de mes prochaines réalisations. Ensuite, ce que j'aimerais faire aussi ce trimestre, c'est ce pantalon. Il est trop beau, j'adore. Donc, il faut juste que je trouve le tissu. Et quand j'aurai trouvé le tissu, ben, ça ira. Après, il y a cette saharienne. Ça, c'est pas trop mon truc. Donc, je le ferai pas. Ensuite, vous avez ce chemisier que je ferai. Ça, c'est sûr et certain. Et cette jupe que certainement je ferai également. Il faut juste que je trouve le tissu. Mais j'aimerais le faire en. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, le style jean un peu. Je sais plus. Le chambré ou le cambré. Je sais plus trop comment on dit. Donc voilà. Je le ferai peut-être en ce style-là. Mais je la trouve super jolie. Et ensuite, vous avez le haut portefeuille que vous avez là. Et la jupe. Mais ça, pour le moment, ça me dit rien en fait. Ensuite, vous avez cette robe que je trouve trop magnifique et que je ferai certainement quand j'aurai un peu plus de niveau par rapport à ça. Et celle-là aussi, je vais faire. J'adore. Je vais essayer de faire tout ça. Et je crois que. Ah non, il y en a encore. Il y a cette mini-robe. Donc, c'est en jersey. J'adore, c'est carrément mon style, donc je pense que je le ferai. Après, vous avez aussi une tunique comme ça. J'adore aussi, donc je pense que je la ferai également. Alors, je ne ferai pas tout ce trimestre-là, parce que j'aurai pas le temps, hein, clairement. Mais voilà quoi. Ensuite, la jupe et le top. J'adore. J'adore le style, j'adore tout en fait. Même le tissu de la jupe, il est trop joli. Donc je pense que je ferai tout ça aussi. Après, vous avez la robe longue avec des rayures. Ça, par contre, j'aime beaucoup moins. Ou peut-être plus courte en fait. Parce que long comme ça, je sais pas, j'aime pas trop. Donc voilà. Ensuite, j'adore. Ça fait un style un peu femme fatale, mais j'adore. C'est la jupe et son chemisier. C'est trop joli. Alors, certainement que la jupe, ouais, j'essaierai de la faire. Le chemisier, je pense que je ne suis pas forcément encore capable de le faire. J'ai pas assez de niveau pour faire ce chemisier-là, je pense. Après, je pense que je m'y mettrai. Mais je ferai plutôt chemisier blanc. Il a l'air plus simple. Donc voilà. Celui-là, ça c'est sûr, c'est trop mon style, donc je vais le faire. Et j'adore ce tissu, donc je ne sais pas si ils mettent les références, donc j'irai voir les tissus pour voir si je peux pas trouver des tissus similaires. J'adore ces vestes comme ça, je trouve que ça cintre bien la taille et c'est vraiment top. Ça aussi, je pense que il faut que mon niveau se fasse un peu plus, mais je la ferai vraiment, je la ferai vraiment, je la ferai. Ce pantalon, ça c'est sûr, je le ferai, puisque j'ai un jean de grossesse, et du coup, voilà, c'est tout. Donc voilà, je suis un peu embêtée, puisque je n'ai plus de pantalon à ma taille, et que ben, je ne veux pas acheter de vêtements, donc je pense que je vais devoir quand même acheter un ou deux pantalons parce que j'ai déjà pas le temps de le faire. Parce que vous voyez que, quand même, au niveau de ma garde-robe, j'ai quand même pas mal de choses à faire parce que j'ai plus rien qui me va avec ma grossesse. Mais en plus de ça, ouais, enfin, j'ai trop de choses à faire en fait. Donc c'est au fur et à mesure, et par rapport au tissu que j'ai également.
Donc voilà. Donc ce pantalon, c'est sûr, je le ferai. Ensuite, il y a cette robe qui est super sympa en taille empire. Je pense la faire également parce qu'elle me plaît bien, bien, bien. Et après, vous avez... Ben, vous avez le caftan, mais vous avez le caftan avec les étapes en fait bien indiquées là, comme ça. Donc voilà. Donc voilà pour ce Burda Style Plus. Je le trouve magnifique. Il est top. Et puis c'est pour ma taille, donc c'est top quoi. Donc voilà. J'espère pouvoir faire au moins un ou deux patrons de celui-là pour le mois prochain. Mais en tous les cas, c'est sûr, je dois faire les deux pyjamas, les deux bas de pyjama, le haut de pyjama, les choses pour Ethan et mes deux tops. Si déjà j'ai fait ça, youpi, je fais péter le champagne. Si je suis trop forte et que j'ai fait de la couture à fond, je ferai certainement qu'un modèle de celui-là parce que entre refaire le patron et tout ça, il y a quand même du boulot. Donc voilà. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle va être un peu longue, mais bon. J'aime bien blablater. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. De toute façon, ben, du coup, au mois de juillet, du coup, début juillet, vous aurez une vidéo sur le bilan du trimestre d'avant et du coup, ce que j'ai prévu de faire pour le trimestre, le troisième trimestre. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!